Mama, 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 mama
Ah, ma chérie,
Aku tak selagi, tak selagi. Aku kena ngah tak selagi. Siapa nak soya ya Maria? Siapa insisti ya Maria? Kata selulang nanti ayahku. Siapa nak soya? Siapa nak soya? Pari nak wisale koma nak ngopedeo. Nak soya aku. Siapa kekisah sana aku tadi nak ete? Lagi nangah kian kaki menoko. Pandi lady bela. Toko solai suteo. Wanini. Toko solai sute makuku. Je sais que Dieu t'a réservé la place parce que tu t'es repenti. Oui, tu as reconnu devant Dieu et devant les hommes. Nazo. Ah, tu me chère, qu'on a le Shabbat dans la vie. Tu sais, hein? Il y a Maria Gato Solola. Il y a Maria Gato Solola. Nous sommes là, il y a Pierre. Il y a Pierre Azawapi. Il y a Pierre Azawapi. Pardon? Atali walu kolongwa nangaite yo kufela kinga o koboya mokote yemba haleluya ngai nalingi kolo Yesu masia haleluya haleluya Gaina ningi kolo Yesu, Alleluia na Yesu, niko ya kolo Yesu, banani bako ya mbaye, baingi meni bako ya mbaye, esengo, esengo eko ya mbawa. Bazangi koni mama kozala na pasi mawa haye meni bakuya mbaye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe azanzamba kuliyo. Amen. Amen. Nzambe ayeba kishako. Baza etela moya nzambe. Peshako ndenga zawana ayeba kinzambe. Po yemoko abelela ki kumbo ya Yesu Masiya. Alobaki nzambe nanga. Wana na presence nanga. Ngo la benga kinga. Abi ayanza mesaka nzambe kuliyo. Nakuta ki umaye pani. Abele la kinzambe. To bonde la kito loba tu makambi ya bele moto loba ki za ya koloba wate ayeba kinzambe penzambe o azana bomoi ayoka ki ye akende ki epa ya mutu nyonso o asala ki ye mabe aloba ki na mutu wana pardon ayebi singa alobi yaya yo zali mosali ya nzambe ngai na sengi pardon ata likambo na yebi suyo e komelinga koza na kanda te ko kangela pe mutu kanda te to sala kaka pardon e pa ya nzambe ya mwana yebo senga to za ko loba nzambe ya bibele nzambe na bomoyo papa yondo bengi shako papa po yo yeba kiye oya lekyo na nguya azate to yebi ete yondo pesa ka nguya seigneur kasi to yeko bele la kake pa ina yo mokonzi bomba ye esika yo zali. Tika ete o ya senga kina yo.
bolimbisi oyo asenga kina bato kolo yo sila ki koyoka yango omona yango po ndima yango po mwana na yo mokonzi lela kya ya epai na yo yango na yo kolo bankolo ekokisama eyenge beni liloba na yo po yo lobaki tozali mabele tokozonga mabele toye kokumisa liloba oyo lelo nkolo tokotuna yo te mpona nini po eza liloba tondimaki tobaki oyo nyonso ekomami na mokanda na buku na bomoi na yo tondima yango yango tondimi lelo tolobi mokonzi matondo epai na yo tika ete mwana na yo mokonzi ofandisa ye na kimia eza nzela ya biso nyonso tokokende tokomonana kasi nkolo oyo nyonso ezali na nsima to division to mongutu to kolobaloba nzambe toye kozala na yango te toye koboya yango toye kokumisa kaka mwana na yo yesu masiya tika ete makila na yo ekouvrir biso nyonso a tozali na kozonga na biso na ndenge totika ti mokolo tokokende otika ye na lilita na ye ya suka bobele yo nzambe ozwa lokumu na kombo na yesu masiya nzambe na ye kobelela mwana oyo otindaki ye na mokili nkolo ayaki lipasa mokonzi tika tobatela lipasa na ye toyebi ete ezali pasi papa tokoyoka pasi kasi lipasa oyo akomaki moninga na ye bisika nyonso baza kotambola lelo yango ekatani mokonzi kaka yo moto oza capable ya kokonsole tika ete yo oyo aza véritable consolateur okonsole ye mokonzi yango tokumisa bo na kombo na yesu masiya tolobi nzambe alola kumama zwa lokumu yango tobeti maboko tobi gloire a toi seigneur amen. Maman Omba, na kombo na Yesu, biso to lobi boko. Maman pasi bazala ba lien, na muta oyo ba awa, ezali pasi. Nga na yebi yo pe oyebi. Ke ata ndeko nyonso aza na problème, soko vandi quelque part,
on sentira qu'il y a quelque chose qui cloche. Si vous vendez, qui attend sa place, vous voyez que quand vous avez les tes abois, mais en tant que serviteur de Dieu, vous pouvez lire au nom de Jésus. Amen. Maman, au lot, vous avez consacré pour le lotin, vous avez été. N'attendez pas, vous avez fait c'est pas un problème. Amen. Il n'y a pas de problème, maman. Zamba, Lola, a fortifié. Tous en avons encore dit, on a 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 encore dit,
Bien-aimés, je voudrais commencer par vous souhaiter à vous tous et à vous toutes la bienvenue dans cette église Saint-Denis qui accueille, je pense que pour la dernière fois, quelqu'un que vous connaissiez, que vous aimiez tellement trop, notre chère amie, Maman Alphonsine Moulungé Meka, peut-être chaque comme vous l'appeliez à l'époque. Peu importe vos convictions, si nous sommes réunis ici, c'est à cause d'elle, parce que c'est elle qui nous réunit ce matin. Nous voulons chacun, à sa manière, exprimer ses sentiments de compassion sur l'événement. Il y en a qui sont les chrétiens qui vont prier pour que celle-ci, parce que par son baptême, elle était fille de Dieu. Aujourd'hui, nous croyons qu'elle rejoint la vie éternelle et nous prions pour que son âme repose en paix. D'autres, tout simplement, une présence être là. Mais je crois que si nous sommes là, c'est surtout pour quelqu'un. Je voudrais que vous puissiez les noter pour la célébration d'aujourd'hui à l'occasion du funérailles de Maman de Francine et de Tichac. Si nous sommes là, c'est surtout pour la petite fille Grâce. Je voudrais que cela puisse rester gravé dans vos mémoires en ces deux ans. J'ai été au funérailles de sa maman. Cela signifie que j'ai pris un engagement pour la soutenir, pour la porter, pour l'accompagner et pour l'aider. Ainsi, la célébration aurait un sens. Il ne faudrait pas qu'après la célébration, elle se sente abandonnée, rejetée, oubliée, qu'elle commence à galérer comme s'il n'y avait pas 100 personnes au funérailles de sa maman. Prenons l'engagement chacun et chacune. Frères et sœurs, amis connaissances, ainsi que vous tous ici présentes, bonjour. Bonjour. En fait, il est difficile de croire que dans des jours comme tel, une personne qui vous est tellement chère, une personne avec qui vous avez partagé des certains moments puisse vous quitter brutalement et sans pour autant sonner trompette. Il s'agit là de ma tante, ma chère et bien-aimée, Alphonsine Moulungé, communément appelée Chaco, Kasongo, Sharon Stone pour les uns, Stone pour les autres. Ainsi de suite. Née le 30 juin de sa jumelle Pomba, 1976, de Monsieur Pierre, Jean-Pierre Kasongo et de. Comprenez mon émotion. Je voudrais dire ce matin que chaque pour moi représentait tout l'amour. En résumé, je pourrais la définir comme un joint. Elle servait de pont. Elle servait de joint. C'était l'amour qui représentait son caractère. Certes, elle se fâchait, mais jamais ne gardait rancœur. Elle était là, serviable. Chaco savait donner le meilleur d'elle. Elle ne reculait devant rien, devant aucune circonstance, aucune situation ne l'effrayait. Elle avait tout le temps, toujours solution à tout. Une battante, un modèle. Malgré les vents et marées, elle a su tenir la tête haute. Nous retiendrons d'elle l'amour. Nous retiendrons d'elle les plus beaux cadeaux, un trésor qu'elle puisse nous léguer. Certes, on pourra vous léguer des millions ou quoi que ce soit, mais pour nous, aujourd'hui, j'estime que les plus beaux de cadeaux, c'est grâce. Grâce est la meilleure version de sa mère et la meilleure version d'elle, on regardera Pomba. Je pourrais tenir toute une journée à définir ce qu'elle était, mais hélas, le temps nous est compté.
Encore une fois, au nom de la famille Kasongo, de la famille Kansai, amis et connaissances, merci. Oui, grâce, vous pouvez dire un petit mot, oui. Bonjour à tous et à tous. Déjà, je tiens à vous remercier d'être présent aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous faire un grand discours. Je pense que toutes les personnes ici présentes connaissaient très bien ma mère et savaient très bien l'amour qu'elle avait pour moi. On était très proches, on était complices. Ma mère, c'était mon tout. Mais je pense que pour honorer sa mémoire et ce qu'elle voudrait surtout, c'est que qu'on soit tous forts. Certes, c'est très dur, on va pleurer, mais il faut surtout pas qu'on se laisse abattre. Je pense que ma mère aura vraiment aimé qu'on soit fort et qu'on arrive à passer pas outre, car on ne va pas l'oublier, mais de ne pas se laisser abattre, d'être fort et d'être unis. Soyons forts pour elle, pour moi. Je vous remercie encore une fois tous d'être présents ici. Et je sais qu'on va réussir à surmonter cette épreuve difficile. Je sais que vous avez mal. Alors, si vous avez mal, vous n'imaginez même pas moi. Mais je suis forte et je suis là devant vous à vous faire ce discours. Alors, faites de même. Merci. Je crois que son frère, votre papa aussi, vous a donné un petit mot. Papa, vous êtes là? Vous pouvez venir. Ma mère, maman Nyonkene, Madeleine, c'est toi qui m'as ramené ici, en Europe. C'est toi qui m'as payé le voyage pour venir ici en Europe. Si je suis ici devant les gens, c'est par tes efforts. Tu m'as dit une chose, papy, prends soin des enfants, tes neveux, tes nièces. Dieu te bénira. Merci Charles. Merci parce que moi, papy, je te dois tout. Et ce que je retiens des gens te concernant, t'es un amour. Tu vivras pour l'éternité dans mon cœur, dans le cœur de toute la famille et dans le cœur de tous les gens qui ton sincèrement porté. Je te dis merci, merci, merci infiniment. Merci beaucoup. J'invite sa sœur jumelle à intervenir. Je pense qu'elle a un petit mot aussi. Bonjour à tous. Bonjour. Je ne sais même pas quoi dire, mais je suis très fière d'avoir une sœur comme Chaco. Je suis fière. Je suis très fière de ma sœur. Elle a toujours été la présente pour moi. Alors qu'un jour, elle m'a abandonnée. Et je suis fière pour ces beaux cadeaux qu'elle m'a laissés à travers grâce. Je la verrai. Et je ne sais même pas quoi dire. C'est bon, merci. Merci.
Je vais ici inviter sa fille Grâce à venir allumer la bougie à côté de sa maman, symbole de la lumière de Christ et qui éclaire son chemin vers la vie éternelle. Elle aussi en même temps une lumière pour éclairer sa famille et vous qui êtes là. Je l'éteins. Mais n'oubliez pas qu'il y a une lumière qui est là, qui reste allumée. Ne marchons pas dans les ténèbres. Mais soyons également aussi des lumières qui éclairent nos frères et sœurs sur le chemin de la vie. Éclairer le chemin de chacun, surtout celui de cette fille que chacun a laissé, notre petite fille, Grâce. Amen. Yeah.
de son 7e au 10e verset. Dieu est amour. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Puisque l'amour vient de Dieu, tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. Et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se répondait l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Thank you.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchaient. Alors, ouvrant la bouche, il s'est mis à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Dans la parole de Dieu. Nos grands-parents le savaient,
il reconnaissait. J'ai souvent évoqué le texte de ce poète, de cet auteur, Birago Diop, qui pour nous Africains disait toujours le rappeler, les morts ne sont jamais morts. Les morts ne sont jamais partis. Et c'est un peu comme si c'était une question de la réincarnation pour nous Africains à ce moment-là. Ils sont dans le feu qui bouge, ils sont derrière le tombeau, ils sont dans l'enfant qui revient, ainsi de suite. Mais aussi les Occidentaux le disent aussi, les reconnaissent. Je le disais aussi, les Européens, ils le reconnaissent, ils l'affirment à travers un auteur qui le dit. Voilà, je suis mort, mais je ne suis pas parti, je suis juste la porte d'à côté, vous avez besoin de moi, appelez-moi, je reviendrai. Mais je crois bien que ce qui est essentiel et important, ce qui est important, essentiel et important pour chacun d'entre nous, c'est qu'entre les deux verbes où nous vivons, où nous naissons et nous vivons, et nous mourons, ce qui est important pour l'être humain, c'est de comment nous entrons, comment nous nous installons dans la vie, comment nous vivons notre vie, et surtout, qu'est-ce que nous laissons comme trace et souvenir dans la mémoire de ceux et celles qui restent. C'est surtout cela qui est très important. En se disant, voilà, ben, je suis né, ma maman m'a mis au monde, il a cela 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je suis dans le monde, je suis en couple, j'ai mes enfants, je suis au travail, mais qu'est-ce que je dois laisser aux autres qui restent? Et moi j'ai été émerveillé par les témoignages lorsque nous préparions ces funérailles avec Cocotte, Grâce et Papi. Je ne voudrais pas inventer ça, c'est que j'ai préparé mon texte pour vous rappeler ce qu'eux, ils m'ont dit. Ils l'ont dit ici, en résumé rapidement, moi je voudrais aussi vous rappeler ce qu'a été chaque pauvre Grâce pour Cocotte, sa nièce, pour son frère Papi. Ils me l'ont dit comme cela. Nous retenons quelque chose d'essentiel. Et nous le gardons dans nos mémoires pour que nous puissions, nous aussi à notre tour, rester, devenir et demeurer des témoins fidèles de ce message. Parce que finalement, lorsqu'on écoute, c'est pratiquement un évangile vivant, ce qu'elle a été. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Grâce à sa fille, elle me disait ceci. Ma maman, c'est ma meilleure amie. Il y avait une complicité entre nous deux. Elle aimait la vie, elle était sociale, prête à aider. Une personne neutre, avec un grand cœur. Personne de très gentille, qui aimait les blagues, calme, et n'aimait pas le conflit. C'est ce que m'a dit sa fille Grâce. Que disait sa nièce Cocotte? Elle dit ceci. Ma tante, elle était le joint de la famille, le ciment de la famille. L'amour était son caractère, pas rancunière, pacifique, forte, avec un franc parler, prête à servir, la main sur le cœur, prête à partager, discrète, c'était l'incarnation de l'amour. C'est bon, non? C'est bon, non? Et j'ai terminé par Papi qui l'a dit vraiment de manière succincte et vraie. Papi disait, je lui dois tout et c'est un amour. C'est ainsi que dans les choix des textes, ils sont tombés d'accord pour prendre les textes que Cocotte a lit si vous l'avez suivi. Cela signifie que la vie de l'être humain, située entre les deux verbes naître et mourir, l'homme est appelé à aimer. Ça doit être le résumé de ta vie. Tu vis et tu le sais que demain après-demain, tu passeras par ce chemin. Et pendant que tu vis, apprends, mon cher ami, ma chère amie, apprends à aimer.
Et Saint Jean le dit clairement, il dit, mais si nous devons apprendre à aimer, ce n'est pas parce que nous sommes le créateur de l'humanité. Ce n'est pas parce que nous sommes la définition de l'amour. Si nous devons apprendre à aimer parce que Dieu lui-même, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a créé, lui-même Dieu est amour. Et comment se définit l'amour de Dieu? Dieu a pensé l'humanité, il a regardé l'humanité et il a envoyé son fils. Nous, dans l'Église catholique, nous avons célébré depuis le 25 la fête de Noël. C'est-à-dire que Dieu, c'est l'incarnation de l'amour, c'est lui-même qui est l'amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est apprendre à être au service de. L'amour, c'est apprendre à faire le bien aux autres. L'amour, c'est être là pour les autres. L'amour, c'est ce n'est pas chercher les conflits. L'amour, c'est apprendre à dire, voilà, ben, j'étais en conflit avec toi, je voudrais que nous puissions nous réconcilier, nous mettre ensemble. Il y a déjà de l'amour aimé, jaloux, colérique et presque vengé qui n'ont jamais eu l'idée de se dire, voilà, ben, pourquoi pas apprendre à se réconcilier parce que le Seigneur m'appelle à aimer. Et pour moi, aimer, c'est aussi être là à côté de vous. Vous vous rappelez, comme je l'ai ici rappelé dans le texte terminant, disons, il n'aimait pas, elle n'aimait pas les conflits, cela signifie qu'elle aimait la réconciliation. Mais que ce soit aussi un message qui vous interpelle, vous qui êtes là, la famille. Également aussi, vous qui êtes venus à ce funérailles, en disant, nous sommes en couple, souvent nous sommes en conflit permanent. Pour quelles raisons nous nous disputons? C'est pour gagner finalement quoi? C'est ainsi que dans l'évangile que je lis, le Seigneur a rappelé le Christ. Vous dites, voilà, ben, c'est la volonté de Dieu. Appeler l'être humain à aimer chaque jour. À aimer son mari, à aimer sa femme, à aimer ses enfants, à aimer ses parents, à aimer ceux avec qui on travaille ensemble. Et le Christ a voulu nous donner ici un programme de vie en disant, je voudrais que cela reste gravé dans vos mémoires. Ayez un programme de vie. C'est cela qui fera de vous des heureux dans ce monde ici. Quand on n'a pas à aimer, on est heureux. Et le Christ, c'est dans l'évangile que je lis ici, avant de commencer à donner ce programme de vie, il a observé la vie des hommes et des femmes. Il s'est rendu compte que la vie, elle était terrible. Il s'est rendu compte que les hommes et les femmes n'apprenaient pas à s'aimer. Il avait tellement de gens qui étaient orgueilleux et remplis d'eux-mêmes. C'est souvent ça la nature de l'être humain. Quand on est ensemble, il faut se faire voir. Vous voyez, celui qui a la belle voiture, c'est bien moi. Celui qui gagne un bon salaire, c'est bien moi. Celui qui a une belle femme, c'est bien moi. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec toutes ces déclarations? Apprenons à être simple, c'est ainsi que Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous rappelle ce que nous devons être. Pour que finalement nous puissions laisser nous aussi ces beaux témoignages qu'il nous a laissés chaque. Il a rappelé, heureux le pauvre de cœur. C'est dit que ce n'est pas moi qui suis le plus grand. Et je l'ai rappelé ici à Noël avec les chrétiens en disant, voici le petit Jésus. Si vous avez l'occasion, pour ceux et celles qui ont été déjà dans l'église, ils ont vécu la fête de Noël, ils ont été dans les crèches. Si vous avez l'occasion, passez par une crèche. Observez tout simplement la crèche en passant. C'est interpellant que celui qui a été au début de la création, parce que dit le texte de Jean, avant la création, il était lui-même la création. Il est venu de la région de l'humanité, des conditions divines. Il a accepté des régions de l'homme et accepté le péché. Mais comment il a rejoint l'homme, celui-là, le bout d'homme qui est là? Simple. Quand on nous compte l'histoire de sa naissance, on se dit, mais comment c'est possible? Il est né à Bethléem, il arrive avec ses parents, Joseph et Marie. Il n'y avait rien, pas de maison où loger. Ils ont été dans une étable, vous imaginez? Dieu des conditions divines. S'il était nous, les humains, qu'est-ce qu'il se dirait? Il mettrait tout le monde à la porte en disant, je suis le Seigneur. J'ai droit à une maison, une belle maison, que je puisse m'installer. Mais il ne l'a pas fait, il dit, non, je ne suis pas celui qui vient écraser l'orgueil de l'être humain. Ne soyons pas des orgueilleux, soyons
des hommes et des femmes simples. Là où tu travailles, apprends à être simple. Pourquoi tu dois être recueilli? Qu'est-ce que tu gagnes? Voilà notre ami Chaco qui nous quitte à la fleur de son âge. Elle est morte, je pense, à l'âge de 46 ans. C'est ma petite sœur. Mais elle est partie sans rien. Vous la voyez? Dans les cercueils, rien du tout. Elle a tout laissé. Nous devons nous laisser interpeller en se disant, mais pourquoi chaque jour nous devons être en conflit entre nous? Pourquoi dois-je chercher à être plus grand que l'autre? Il dit, mais le miséricordieux, apprends-toi aussi à être miséricordieux. En tant qu'être humain, tu es toi aussi fragile, mais apprends à pardonner. Pourquoi tu ne pardonnes jamais? Tu vas pousser au divorce, c'est parce que ta femme t'a dit quelque chose, parce qu'elle a envoyé un peu d'argent à ses parents. Pour cette raison-là, tu divorces. Sois miséricordieux, miséricordieuse. Pourquoi tu dois taper sur la table? Apprends à être miséricordieux. Et pour terminer, apprenons à être les artisans de paix. Là où nous sommes, semons la paix. Parce que sans la paix, notre humanité n'existe pas. Sans la paix, il n'y a plus rien qui fonctionne. Sans la paix, on n'a pas la santé. Sans la paix, on n'a pas de quoi à manger. Sans la paix, il n'y a pas de travail. Vous avez l'expérience ici, à la porte de l'Europe avec l'Ukraine. Ils sont venus sans rien du tout. Nous sommes Congolais, nous connaissons notre réalité. À l'Est, il y a des gens qui, chaque jour, sont sur les qui-vivent. C'est parce qu'il n'y a pas la paix. Faisons la paix là où nous sommes. Fais la paix avec ton épouse. Fais la paix avec tes enfants. Fais la paix avec tes parents. Qu'est-ce que tu cherches à gagner? Demain après demain, tu t'en vas. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Afin que nous puissions nous laisser interpeller. Non seulement par les messages du Christ, mais par celui qui nous a été laissé par notre chère amie Chaco. Elle a été émerveillée. Que ce témoignage de vie puisse nous encourager à continuer à être, nous, là où nous sommes, des témoins fidèles de l'Évangile. Amen. Bien-aimés, prions pour notre chère amie, Maman Alphonsine Mungungi Lumeka de Chaco, qui nous a quittés. Seigneur, toi qui aimes la vie, le bonheur, l'amitié, regarde dans ton prion combien elle a essayé de rendre les siens heureux, combien elle a désiré donner son amitié, son amour. Donne-lui maintenant la plénitude de ta vie éternelle et la paix à tous ceux et celles qui sont dans la peine. Prions le Seigneur.
nous allons passer à tout devant de saluer notre défunt pour la dernière fois, en nous laissant guider par notre confinement. Je vous en supplie, ne traînez pas parce que nous devons sortir d'ici avant 12h30. Faites-le dans le respect de vos convictions. Et c'est ce que je souhaite.
Ayons ensemble le moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église, de la gloire de Dieu et des salut du monde. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en te présentant l'offrande de ce pain et de ce vin, nous t'offrons toute la vie de ta fille, chaque, tout ce qu'elle aimait, toutes ses générosités, tout ce en quoi chaque était grande. Tout ce qui faisait son bonheur, tout ce qui la rendait malheureuse, tous les biens qu'elle a fait durant sa vie, tout ce qui lie vos vies à la sienne. Que ton amour sanctifie la vie de ta fille et la conduise à plénitude au bonheur éternel. Fait que notre rassemblement ici aujourd'hui soit source de paix et de sérénité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père. Pour ta fille Alphonsine Mounungé Meka Chako, qui aujourd'hui est là devant nous, que nous avons accompagné jusque-là dans le couvent. Nous te remercions pour tout ce qu'elle a été, pour tout l'amour qu'elle a vécu, pour toutes les joies qu'elle a partagées. Nous te remercions parce que tu ne l'as pas abandonnée à la mort. Tu es le Dieu des vivants, tu accueilles ta fille dans ta joie. Baptisée dans le Christ et Jésus, elle participe maintenant à sa résurrection et elle te voit face à face. Ce qu'elle a semé dans les larmes, elle est mentionnée maintenant en chantant, aussi avec elle, avec tous les vivants qui t'entourent et qui t'aiment. Dieu, notre Père, nous te chantons. Thank you.
Oui, Seigneur, tu es saint, tu es l'amour et la liberté, la joie et la vérité. C'est merveilleux de te connaître. Tu permets à chacun de nous de te ressembler et d'être pour le monde amour, joie et vérité. Tu nous rassembles aujourd'hui comme un père et bénit ses fils et ses filles pour refaire avec nous ton alliance, pour nous redire le mot de ta tendresse. Donne-nous ton Esprit Saint, donne ton souffle de vie à l'Église, pour qu'elle soit source de libération et cause de joie. Nous venons pas les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, nos peines et nos joies. Nous t'apportons ce pain et ce vin, les fruits de ta bénédiction et de notre travail de tous les jours. Reçois-nous, accueille nos dons, reçois notre amour et notre désir de te ressembler toujours au Christ. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiés par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il est béni, il est rempli, il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Pour qui l'amour est une réalité
et qui, consciemment ou non, ont été lumière pour leur entourage. Bénis-nous tous auprès de toi avec la foi de tes amis pour que nous puissions découvrir combien tu dépasses tout ce que nous imaginons de toi et que notre joie soit celle de Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toute puissance, puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
repas du Seigneur. Voici la vie de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le cœur et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
la famille a un petit mot à nous adresser. Rapidement, vous pouvez le faire, la famille. Bonjour à tous. J'avais pas prévu de faire un discours, mais je me devais de le faire. Parce que quand j'entends la nièce de Chaco, je ne pouvais pas ne pas le faire. Je pense, pour ceux qui nous connaissent, que je faisais partie des personnes qui la connaissaient le mieux. Comme vous le savez, j'ai été avec elle toute ma vie. J'ai perdu ma personne préférée avec qui me disputer. Ce que j'aimerais qu'on retienne d'elle, c'est toute cette joie qu'elle savait donner autour d'elle, sa folie. Elle était tout terrain. Tantine Chaco, comme vous le savez, elle s'est adaptée absolument à tout le monde. Elle considérait tout le monde. Il faut garder d'elle tout ça, toutes les bonnes choses qu'elle a apportées au moins une fois à quelqu'un ici. Et j'aimerais profiter de ce moment pour passer un petit message à ma famille et à toutes les familles. C'est quand on se retrouve dans ce genre de moment qu'on se rend compte que peu importe les petits problèmes qu'on peut avoir, c'est très dérisoire. C'est vraiment très dérisoire. Donc il ne faut pas se laisser distraire par les petites choses qui peuvent nous séparer quelquefois dans la vie. Donc voilà, beaucoup d'amour. J'espère qu'après ça, on aura plus d'amour entre nous. Parce que tout, peu importe le problème qu'on a, c'est rien de très important. Puisqu'on va tous arriver là. Donc ne pas garder les rancœurs et surtout beaucoup d'amour. Encore une fois, j'ai passé toute ma vie avec elles. Toutes leurs phases, j'étais là. Et c'est très difficile pour moi aujourd'hui de savoir qu'elle sera plus là. Maman, je t'aime très fort et on sera toujours là pour toi. On sera toujours là pour Grâce. C'est la mission qu'elle nous a laissée. Donc voilà, merci à tous d'être venus. Merci. Voici à la fin de notre cérémonie. Nous allons nous diriger à la dernière demeure de Chaco. Donc on va se diriger vers le cimetière de Forêt, qui se trouve sur l'avenue Claire Strat, numéro 51, 1552 code postal Percel. Je vais me répéter, Claire Strat 51, 1552, 1652 code postal Percel. Claire Strat avec K et avec 2 E. Ensuite, on va se retrouver pour le banc de consolation. Voilà. Dans la salle royale, rue de Beaune, 101, 1080, Molenbeek. Merci. Merci beaucoup. Recevons d'abord la bénédiction finale avant de répondre les corps des chats. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, notre Père, fait maintenant briller la lumière de ta face sur le visage de ta fille Chaco, à qui on a la paix de ton royaume, et nous qui restons ici, donne-nous part à cette paix, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur qui vit, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
les strates. Maman,
Chaco, tu seras toujours dans mon cœur. Chaco, je t'aime. Chaco, Chaco, je ne sais même pas comment exprimer ma douleur. Mais je te dis seulement adieu, Chaco. Va en paix, Chaco. Va en paix, Chaco. Oh, Chalimar, Chaco. Oh, Chalimar, Nangaï. Oh, ma jumelle à moi, c'est toi. Oh, crochet de mon cœur. Pourquoi tu me fais ça, Chaco? Chat, papi, papi. Femme charismatique, Chaco. Femme charismatique. N'importe quel effort on a eu, chat. Merci. Merci. Yalo Berthe.
êtes sur une tombe. Là aussi, madame, vous êtes sur une tombe. Madame, allez filmer là-bas, s'il vous plaît. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Il y aura trop de monde. Je m'excuse, mais il y a quelqu'un qui est là pour ça. Donc, voilà. Monsieur. Madame. Taliban envoyé, Taliban sous fire.
en a encore qu'à une. Ça, c'est la famille proche. Hein. C'est la famille. Pour les places, ne vous bousculez pas, les chaises arrivent.
Nous espérons que ça va très bien se passer. Et encore une autre chose, je voudrais vous dire merci beaucoup. Et dites aux personnes qui n'étaient pas là, ici, ça s'est très bien passé. Merci.